que nous devons éclairer l'opinion par rapport au déroulement de nos activités. Bon, nous informons, nous demandons à ceux qui avaient connu des problèmes dans l'incendie qui avait ravagé l'immeuble de la Poste, dont notre bureau faisait partie, que tous ces victimes, tous ces sinistrés doivent attendre la réaction du gouvernement par rapport aux différentes requêtes qu'ils nous avaient adressées. Alors, le gouvernement a promis qu'il va envoyer une équipe qui va venir faire une évaluation afin de remettre tous ces gens dans leur droit. C'est ce que nous attendons jusque-là. Mais par rapport à la question que vous posez, il y a certaines personnes, là j'insiste, il y a certaines personnes qui sont dans l'urgence. Ils ne veulent pas attendre la réaction du gouvernement. Alors, eux-mêmes, de leur propre gré, ils achètent leur formulaire à la banque et ils les amènent à l'ANR pour l'identification. Et puis l'ANR met l'avis favorable. Et ça nous arrive ici chez nous, nous les capturons. C'est par leur propre volonté. Personne ne les a obligés. D'ailleurs, pour nous, ils devaient attendre pour que le gouvernement puisse les remettre dans leur droit. Mais eux-mêmes, ils insistent. Personne ne les a poussés d'acheter de nouveau les formulaires.